Secrétaire du syndicat? Ah non, non, mais c'est pas pour moi. Hein. Non, 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 puis c'est un boulot d'homme. Hein. Non, non, puis regarde-toi. Ah, toi, tu fais ça depuis des années, tu t'en sors très bien. Non, non, puis moi, j'ai déjà assez à faire hein, avec la commission enfance du CE. Non, non, puis ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Eh, super ton intervention, Virginie. Ah là, t'as marqué des points, ma petite camarade, tu les as impressionnés. Hein. Maintenant, ils savent qui est le chef. Bon, si vraiment Jean-Luc lâche la trésorerie, moi, je veux bien m'en occuper. De toute façon, c'est moi qui gère tout à la maison, donc ça ne changera pas beaucoup. Mais vous me faites marrer avec votre parité, votre mixité. Ça devient un véritable casse-tête de faire une direction syndicale. Attends, on a déjà du mal à faire des syndiqués. Mais en plus, on nous demande le mouton à cinq pattes. Faut que ça soit une femme, bien. Si elle est jeune et immigrée, c'est parfait. Il manquerait plus qu'elle soit jolie aussi, tiens. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, je me rends compte que ma voix a changé, oui. C'est-à-dire que pour m'imposer en réunion, il a fallu que je monte d'un ton. Bon, mes camarades, va falloir penser à nommer nos délégués pour le congrès. Cette fois, l'objectif, c'est 50-50. Il faut des femmes dans la délégation. C'est les ordres de Montreuil. Oui, allô, bonjour. Je suis la secrétaire de l'Union départementale CGT. Oui, la secrétaire générale, oui. Non, pas la secrétaire administrative. Oui, enfin, ça fait quand même 4 ans que je suis élue, monsieur le directeur de cabinet. Bah, au début, j'étais sceptique. Hein. Mais à l'usage, franchement, elle est pas mal. Elle en a, quoi. Et puis, elle est mignonne. Ça peut pas nuire à notre image. Une femme aux manettes. Un peu de douceur dans un monde de brutes. Monter à la Fédé? Non, mais j'y arriverai pas. Attends, j'ai déjà suffisamment de boulot à la maison. Alors, les réunions le soir, c'est pas la peine. Puis alors, je bosse pas le mercredi. Alors, j'imagine même pas la tête de mon mari si je lui annonce la nouvelle. Déjà que j'ai eu droit à la soupe à la grimace quand on a occupé 15 jours. Tu vois, comme secrétaire général de l'UD, t'as deux défauts. T'es pas métallo et t'es une femme. Mais bon, heureusement, t'es une militante. Pendant le conflit des retraites, personne s'est occupé de savoir si j'avais besoin de mes mercredis pour m'occuper des gamins. Et personne m'a dit, vas-y, t'inquiète pas ma camarade, on va s'occuper des tracts, on va tenir les réunions à ta place. Et pourtant, quand j'ai été élue, les copains m'avaient dit, t'inquiète pas, on va t'aider, on va gérer. Oh, on peut plaisanter quand même, non? Oh, moi ça m'empêche pas d'être toujours galant. Attends, moi j'ai rien contre les femmes, ok? Mais si on peut plus plaisanter, raconter des histoires de blondes sans se faire traiter de macho, ça va être super tristoun la CGT. Mais dis-moi René, y a pas de femmes dans ta boîte? Mais si, elles sont dans les bureaux. C'est quand même pas elles qui vont nous représenter, elles y connaissent rien là-haut. Oh, on a un boulot super technique, faut connaître. Puis j'ai pas confiance. Elle bosse au milieu des cadres. Ah, c'est Aude qui a été élue. Ouais, en même temps, je comprends que tout le monde soit derrière elle. T'as vu le cul qu'elle a, hein? Bon, enfin, Patrick, excuse-moi, tu me fais rire, quoi. Quand t'as pris le secrétariat il y a 15 ans, tu t'es pas demandé comment ta femme allait gérer. Attends, on a toujours parlé de ça très ouvertement à la maison. Ah bon? Et puis, c'est pas les heures que je passe chez moi qui comptent. C'est la qualité du temps que je consacre à ma famille. Ah ouais? Enfin, excuse-moi, qualité ou pas qualité, les rendez-vous avec le prof principal ou chez le dentiste, c'est quand même pas toi qui les gères, c'est ta femme. Bah ouais, et alors? Ah bah, rien. Avec le look qu'elle a, il va falloir prévoir un budget fringue et coiffeur à l'UDR. Mais tu me diras, avec sa tête, t'es sûr d'une chose. Elle n'a pas couché pour être élue. Dis-moi Alain, est-ce que tu peux assurer la rencontre avec le médiateur? Tu sais, c'est pour le conflit de la Sofremio. C'est jeudi à 19h en préfecture. Non, je peux pas. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais moi je suis désolée, faut arrêter de tirer sur la corde. Bah écoutez, moi quand vous m'avez élue... Non, non, quand vous m'avez élue,
J'avais dit clairement que j'avais besoin de bloquer 3 soirs par semaine pour les passer avec ma fille. Et tout le monde m'a dit oui, on te filera un coup de main. Eh ben, tu prends un autre soir avec ta fille. Faut être souple. Non, c'est pas possible, je suis désolée. Moi, quand vous m'avez élue au congrès, vous étiez tous très contents d'avoir une mère jeune, célibataire, pour pouvoir guider vos problèmes. Dans ce cas-là, moi, je suis désolée, je vais pas te raconter ma vie, mais d'élever une préado, ça demande des services qu'on se rend. Il y a des choses que tu peux pas remettre au lendemain. Alors écoute-moi bien. Tu t'occupes de ta fille, et moi je m'occupe de ma femme. Chacun ses problèmes. Allez, vas-y, Chantal. Ah ouais, propose-lui l'adhésion, toi. Oh, allez, avec ton charme, tu vas y arriver. Et n'empêche que quand ça bresse, faut en avoir dans le pantalon. Là. Faut gueuler plus fort que les patrons. Mais attends, Patrick, faut vivre avec son époque. Qu'est-ce que tu crois, qu'ils ont pas mis une femme au MEDEF? Tu crois que Parisot, elle a besoin de gueuler pour obtenir ce qu'elle veut de Sarko? Ouais, évidemment. Bah... bah quand même. Quand même. Ah bah ça, tu sais bien, hein. On te savait? Bah oui, une fois par mois, on va se taper son sale caractère, oui, ça c'est sûr. Hein. Bah quoi, c'est ces hormones, là, c'est des trucs de filles. Comme ça, maintenant. Bah question compétence, elle a tout d'un homme. Ah ouais. Par contre, pour ses fringues, faudrait mieux qu'elle lise un peu autre chose que la VO. Tu vois, c'est marrant, hein. Mais je t'ai jamais vu critiquer, par exemple, les cravates improbables de Jean-Pierre ou alors ses chaussettes de tennis ou les pantalons trop courts, tu vois. Là, c'est bien ridicule aussi. Non, mais attends, le syndicalisme, c'est pas un concours de beauté non plus. Ah bon? Jean-Marc, c'est un prolo au départ. Ah d'accord, parce que tu crois que Chantal, elle sort de la haute, peut-être? Non, mais faut un peu savoir ce qu'on veut. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Bon, elle pourrait faire un peu attention quand même. Une femme pour y arriver. Faut qu'elle soit pire qu'un homme. Eh ouais. Oui, enfin, ça fait quand même 4 ans que je suis élue, monsieur le directeur de cabinet. Oui? Oui, vous êtes un connard. Oui. Pas grave. Tennis sous les pantalons trop courts. Les chemises de tennis. Quoi? Une chemise de tennis à chaque fois.